Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est la présentation de My Beautiful Box du mois de décembre. Alors elle est plus grosse que d'habitude. Voilà. Et comme d'habitude, je ne l'ai pas ouverte parce que je veux la surprise avec vous et être surprise avec vous. Alors du coup, déjà, on voit plein de jolies petites choses et une bougie qui est ouverte. Dis donc. Alors la bougie. Parfumée ambre étoilée. Ouais, ça va. Faudrait peut-être la sentir allumée, mais pour l'instant, ça m'a l'air correct. Ensuite, j'y trouve quoi? Je pioche eau de parfum Joyce. Ok. Ah, c'est cool, c'est en roll-on comme ça. Donc les points sensuels pour mettre du parfum chez les femmes, c'est là, derrière les oreilles, entre et un petit peu ici, sur les poignets. Ouais, ça sent très très léger, hein, c'est très frais, mais c'est hyper léger en fait. Ouais, c'est correct hein, pour l'instant. Ensuite, on a des petits échantillons comme ça. Mix ça. Et ensuite, on a un petit pochon avec, je m'approche de vous, un joli petit bracelet comme ça pour les fêtes. Normalement, j'ai pas le droit de mettre ça au travail, donc ben, il va falloir que je l'enlève. Donc, c'est juste pour essayer. Oh, j'ai des frissons carrément. J'ai froid. Ah, oh, il est joli. Ça fait bien or comme ça sur une peau un peu bronzée. C'est joli. Ensuite, il y a un carton. J'ai pas mis mes lunettes, bien sûr. C'est le certificat d'authenticité bracelet Jonc en laiton doré Marseille. D'accord. C'est créé par Madame Paris. Ok. Ensuite, petit conseil, évitez de le mettre en contact avec de l'eau ou des produits, du parfum. Du coup, ben, je viens de mettre du parfum là, mais voilà. Il n'est pas en contact avec. Ça va. Ensuite, il y a un vernis Dark Moon, un vernis noir. Donc, je ne vais pas le tester parce que j'ai pas le droit au vernis au travail. Donc, je vais peut-être le tester sur les pieds. J'aurais bien voulu voir en fait la couleur. Ouais, c'est un noir en fait, il n'y a pas de paillettes. C'est un noir tout simple. Voilà. Ah ouais, ça sent le vernis. Donc ouais, c'est parfait hein, parce que le noir, on en veut toujours. Ensuite, j'y trouve un rouge à lèvres. Cougar Red. C'est un gel gloss ultra brillant. On va tester. J'ouvre tout avec mes dents. On s'en fout. On est entre nous de toute façon. Punaise. Mais j'arrive pas. Mais. On sera encore là 4 ans. Alors. Ça vient, je suis en train de vous rire. J'ai pas envie de couper cette vidéo et de faire un montage trop long. Donc, on va se dépêcher d'ouvrir ce rouge à lèvres. Voilà. Donc là, avec le retour. Ah, mais j'ai un épi là. Avec le retour. Ah, j'aime pas. Avec le retour caméra, je vais essayer de. Ah ben c'est rien en fait. Oh, ou si c'est quelque chose. Attendez, miroir magique. Dis-moi qui est la plus belle.
C'est qu'un petit gloss rosé en fait, donc ça j'aime pas. J'aime pas. Parce que ça colle sur les lèvres, donc j'aime pas ça. Et ensuite, en... Non, c'est pas le dernier produit. Un masque peel-off glitter. Ah, ça a l'air bien. Utilisez ce masque sur une peau propre et sèche. Appliquez-le de façon uniforme sur l'ensemble du visage en évitant les lèvres, le contour des yeux, les sourcils, la base des cheveux. Laissez ensuite agir pendant 30 minutes. Une fois sec, décollez-le délicatement en commençant par les extrémités. Enfin, enlevez. Ouais. La peau lumineuse, nanana. Ok, d'accord. Donc, à mon avis, c'est un truc noir. Oui. C'est un truc noir comme ça. Ouais, c'est un truc, truc goudron là. Avec des paillettes. Voilà, le truc là qui sèche, que tout le monde fait pour les points noirs. Maintenant c'est malin, j'ai rien pour m'essuyer. Qu'est-ce que je fais? Je prends le carton et je m'essuie dessus. Voilà. Chaque fois que je fais des vidéos box, j'ai jamais de mouchoir à proximité. Donc ça c'est bien sûr le menu, hein. Le step by step. Donc le masque, après on a sublimé. Ah, on a reçu une palette slick. Dark Moon, la crème. Dark Moon, elle est où celle-ci? Ah, le vernis, pardon, Dark Moon. Et le gloss, ainsi que l'eau de parfum. Ok, et les bracelets. Donc là, du coup, heureusement que je ne l'ai pas acheté l'année dernière. Je la voulais trop, elle était à moins 30% au solde. Et je me suis dit, non, je l'achète pas, je craquerai pas, je craquerai pas, mais je la voulais tellement. Parce qu'il y a des fards. Péter un ongle. Il y a des fards gel et ils me l'ont offerte dans cette box. Je suis trop contente et c'est la couleur bronze, trop beau. Et en solde, il y avait argent et or. Et là, bronze, moi j'adore le bronze, elle est trop trop belle. Là, je suis trop contente. Ça, c'est le cadeau de Noël. Ouh là là, elle est trop jolie. Ah, j'ai hâte, je vais faire un maquillage avec. Donc, il y a des fards gras. Deux fards gras, deux fards irisés, non, deux fards gras, si, deux fards irisés, trois fards irisés et un fard mat. Elle est trop trop belle. Donc on va faire des swatchs, mais Jennifer elle vient de se péter un ongle, il s'est fendu au milieu, donc ça fait un petit peu mal, mais elle ne montre pas, n'est-ce pas? Alors, voilà ça. Ensuite, le noir mat, je suis pas obligée de vous le swatcher. Hein. Parce que c'est bon. Waouh. Le noir, on connaît. Et du coup, j'ai rien pour m'essuyer, punaise. Ensuite, il y a les bases, on va dire. C'est des bases. Or. Voilà, donc là, il y a la base. Ensuite, il y a un super bronze comme ça. C'est des couleurs chaudes et tout. C'est vraiment. Elle est trop belle cette palette en fait. Après, il y a une base, un fard gras noir. Et ça, je suis pas obligée de le swatcher parce que c'est noir. Et encore une couleur comme ça que je pose là. Je fais une bêtise. Là. Voilà. Donc voilà. Franchement, c'est très bien. Là, je suis contente de cette box. La bougie, le masque, pourquoi pas. Le parfum. Donc, je vous montre ça. La bougie, le masque, le parfum. On a aussi reçu les petits échantillons qu'on va tester. Je ne sais même pas ce que c'est d'ailleurs. Crème sommeil réparateur. Donc, ouais. Faut mettre ça sur le visage la nuit en fait. Le vernis noir, ça sert toujours. Et la palette slick, une bombe. Voilà. Et du coup, ben, le gloss là. Ouais, il est joli. Mais il m'énerve un peu sur les lèvres. Je supporte pas avoir quelque chose qui colle sur la bouche. Donc voilà. Non, mais je suis très satisfaite de cette box. Franchement, c'est une bonne box du mois de décembre. Voilà. Donc j'espère que ma vidéo vous a plu. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette box.
Et nous, on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, je vous montre juste le maquillage que j'ai fait aujourd'hui. Celui-ci, je ne l'ai pas fait en vidéo. Ça y est, c'est la fin de la vidéo, je bug. Celui-ci, je ne l'ai pas tourné en vidéo. Mais s'il vous intéresse, il est très facile à faire. Donc si jamais ça vous intéresse, dites-moi-le en commentaire et je peux le réaliser pour les fêtes de fin d'année. Voilà, il reste très peu de temps. Il reste 2 semaines, alors voilà. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!